Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à des questions. Il s'appelle Andreas, A-N-D-R-E-A-S, c'est son prénom. Et Lubitz, L-O-U-B-I-T-Z, c'est son nom. Il a parfaitement la capacité de piloter seul cet avion. Il a tous les brevets qui vont bien et il était apte à le conduire. Il a 28 ans. 28. À ce stade, au jour d'aujourd'hui, avec l'ensemble des investigations qui sont portées à ma connaissance, rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Maintenant, on verra l'environnement de cette personne. D'habitude, quand on suicide tout seul. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé ce terme suicide. Quand on a la responsabilité de 150 personnes derrière, je n'appelle pas ça forcément un suicide. C'est tout. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas utilisé ce terme. Mais effectivement, bon, on peut se poser légitimement la question. Je comprends que vous posiez la question.